بسم الله أنا نبدأ عيد مسار سيدنا يوسف مع قوته بعسرة كان جالس مع أبوه مخزون في الدار في الليل وفي النهار يدل غير قراو واحد النهار قال له يا بوي شفت عطبار شفت حضاز دنزم والشنز والقمر كلهم كيبيعوا ليات والعمار قال له يا ولدي ازاكم الهضران حين سمعوا خوتو كل واحد تغيان قال له بغيت سلطن هادي الإمارة ما بقاسي منهم واحد فيه خزار قال له لا ينغادي بهاد التسارة قادا يوسف كلامه مرفد غاية لمنامه حين كان فرد عند أمه عز منه ما كان ناسي عز منه ما كان خوته صاروا قدامه رفضوا عندهم منامه كل واحد يرعي ذنبهم الخلا والخلوان ناسي الخلا والخلوان Méditerranée, paradis des touristes. Méditerranée, berceau du peuple juif, aujourd'hui bordé de cimetières. Au milieu des tombes, des enfants jouent, la vie grouille, indifférente. Dans les rues, dans les maisons, s'entassent des milliers de pauvres êtres, race élue, race déchue plutôt, à qui tout était interdit, même l'espoir. 1860, grâce à la générosité de quelques juifs français qui se sentaient solidaires de leurs frères des bords de la Méditerranée, l'Alliance israélite universelle était fondée, qui, la première, se consacra à l'œuvre de résurrection. 1862, la première école était créée à Tétouan. L'impulsion était donnée. Aujourd'hui, débordant largement des rives de la Méditerranée, de celle de l'Atlantique à celle de la Caspienne, partout où des enfants juifs risquent de végéter dans l'ignorance et la misère, l'école de l'Alliance est là, poursuivant sans relâche son but régénérateur. Sans elle, la majorité de ces enfants continueraient à croupir dans les villes surpeuplées ou les villages perdus. Mais tout cela ne s'est pas fait tout seul. Il fallait, il faut encore des appuis, beaucoup d'appuis. Le gouvernement français, toujours prêt à aider des œuvres qui favorisent le progrès. Les gouvernements locaux. Le judaïsme américain, constamment généreux, est représenté par ces grandes organisations, au premier rang desquelles se place le Joint, dont la sollicitude pour les enfants juifs du monde entier ne se dément jamais. L'OSE, qui se penche sur toutes les misères physiques d'une population enfantine, dont la plus grande partie ignore l'hygiène la plus élémentaire. Sur place, les dévouements sont nombreux et désintéressés.
L'Alliance poursuit sans relâche le but civilisateur qu'elle s'est fixé, donner à chaque enfant juif l'instruction de base qui l'aidera à forcer les portes du succès. Mais l'instruction religieuse n'est pas négligée pour autant. À Casablanca, l'école normale hébraïque forme, selon les méthodes pédagogiques modernes, les futurs maîtres d'hébreu, destinés à enseigner dans toutes les écoles de l'Alliance le commun dénominateur de tous les juifs du monde. Plusieurs écoles professionnelles prennent à la sortie de l'école primaire les enfants qui se destinent aux professions manuelles et leur inculquent les techniques les plus modernes, des métaux, du bois, du tissu, du cuir. Écoles de coupe, de couture. L'enseignement agricole fait partie de cet enseignement professionnel, préparant les jeunes gens à la tâche qui sera celle de beaucoup d'entre eux en Israël. L'Alliance a même résolu des problèmes particulièrement pénibles. Certaines écoles sont réservées aux enfants trachomateux, d'autres aux sourds-muets. Pour toutes ces besognes, pour toutes celles que l'Alliance projette, il faut de l'argent, des dons, des appuis. Il faut aussi des hommes et des femmes. Ce jeune homme embarrassé, c'est moi, Samuel Lévy. À la fin de mon stage à l'école normale, le directeur m'a fait un jour appeler. Asseyez-vous. Vous savez que tous les ans, nous essayons de créer de nouvelles écoles jusque dans les villages les plus reculés. Aimeriez-vous que je vous en confie une? Je ne vous demande pas de réponse immédiate. Réfléchissez. Mais je tiens à vous prévenir. Ce ne sera pas facile. Ce sera loin, très loin, des villes où vous avez l'habitude de vivre, à des centaines de kilomètres et à des siècles de notre civilisation. Ça a effectivement commencé par 1000 kilomètres en autocar. Plus que 27 kilomètres. D'abord de la piste, puis du sentier, et toujours du soleil, de la chaleur, de la poussière.
Bonjour. Shalom. Shalom. Tinahwal Hassan. Shalom. Shalom. Shaldra retat kare. Tralchou. Only work off Belkal. Acham ben Ammi. Sapsi Wahad Mayal Endu. Shalom. 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 أنا الملهم الجديد. Voilà quel a été mon premier contact avec ce qui allait devenir mon village. Je voulais aller vite pour créer mon école. Une chose avant tout était indispensable, obtenir l'adhésion des parents. J'ai fait convoquer tous les pères à la synagogue principale. Dans la société juive traditionnelle, les femmes comptent peu. Pour leur expliquer mon but, préparer pour leurs enfants un avenir meilleur. نحطيكم بس تكسي أولادكم بس تداويهم من بهاد نكهلهم ما تردوس كلامه قبل ما تنسنطلو هذا كلام مليح لازم أولادنا يتعلموا القراية ويتعلموا الكتبة الفرنسيس على كل حال التعليم ديما مزيان Je les sentais ébranlés. J'ai simplement ajouté حممو فراسكم تلاو فولادكم بس ما يسوس فلايوس Shalom Alechem. Puis je les ai entrepris un par un. Ils me recevaient gentiment. Ils m'offraient tous le thé à la menthe, ce que j'ai pu en boire de verre pour vaincre leurs hésitations. Je les sentais prisonniers, victimes d'une tradition qui leur avait permis de surmonter pendant 10 siècles misère, oppression, humiliation. Pourtant, aujourd'hui, il fallait que je les gagne à la cause de l'école moderne. Elisha ben Abuya Omer, halomet Torah. Yelid lima hudomi, lidiu ketuba ilna ar hadash. Allima l-drar idialna l-harf de Fransa, bel haqqt hallafim, bas tizidu fiddin idialna. Il ne me restait plus qu'à trouver un local pour mon école. Ce qui devenait chose facile avec le grand rabbin m'appuyant de son autorité. Il m'a fait visiter presque toutes les maisons. Beaucoup étaient trop petites, comme celle de mon nouvel ami le meunier. D'autres auraient difficilement pu être aménagées en salle de classe.
Celle-là me convenait bien. Elle était spacieuse et facile à transformer. Il suffisait de mettre un toit au-dessus de la cour intérieure. Je regardais les pièces de cette humble maison. Les projets me dansaient dans la tête. Je me sentais gagné par un sentiment d'exaltation intense. Là, un jour, je ferai une infirmerie. Là, une douche. Là, une cantine peut-être. J'ai terminé mon tour du propriétaire en montant sur ma terrasse. Même de cette simple barre de fer, je finirais bien par tirer parti un jour. Il n'y avait pas de temps à perdre. Je me suis mis aussitôt à la construction de ma classe. Je continuais mes contacts avec les parents et les enfants. Certains de ceux-ci, quoique propres dans l'ensemble, étaient dans un état sanitaire nettement déficient. Le trachome, notamment la maladie des yeux, exerçait ses ravages. Beaucoup d'enfants étaient aussi victimes de l'autre fléau du bled, la teigne. À recevoir des colis, des médicaments. C'est avec les petites filles que j'ai obtenu un succès qui dépassait mes prévisions les plus optimistes. Comme la coutume juive traditionnelle faisait peu de cas des femmes et que la vie de ces pauvres gens était très arabisée, il ne leur était pas venu à l'esprit que l'école allait aussi comprendre des filles. Les filles, on s'en débarrasse à la mode arabe en les mariant le plus tôt possible, à 8 ans, à 9 ans, à 10 ans. نحب نتزوج معاك. نحب نطلق. نحب نمشي للسكويلة. La chose put heureusement s'arranger. Le mari étant encore d'âge scolaire. Pendant ce temps, l'école finissait de se construire. Et un beau soir, tout était terminé. Je suis entré dans mon école. Demain, je pourrai commencer mes cours. Je suis monté sur ma terrasse, contemplé la dernière nuit du Moyen Âge, noyer ce village que je commençais à aimer. Le lendemain matin, tout le village était réuni à la porte de l'école. Suaina, skat, skatu, skat, elulad hina, helbenad hina, hina lulad, helbenad hina. Non seulement il fallait leur apprendre à lire, à écrire, à compter, mais il fallait aussi leur apprendre à s'asseoir. Beaucoup ne s'étaient jamais servis d'une chaise ni d'un banc. Vous allez apprendre à parler le français, à le lire, à l'écrire, comme le font les petits garçons et les petites filles de votre âge, à Paris et dans toutes les villes et les villages de France. Radin al-melkum tedrob bel-frances. Répétez avec moi.
اي كل اي كل Très bien. Tout le monde maintenant. École. 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 Au bout d'une heure, je leur ai donné une récréation. Ça non plus, ils ne savaient pas ce que c'était. Ils ne savaient pas jouer. Je leur avais réservé une surprise. Finalement, la surprise a surtout été pour moi, devant cette manifestation d'un bon goût très américain. Mais les principaux intéressés paraissaient ravis de porter les grandes chemises de cow-boy par 50 degrés à l'ombre. Tout le monde était très content, y compris le jeune rabbin, que, fidèle à mon accord avec le grand rabbin, j'avais invité à venir faire son cours d'hébreu dans la belle classe toute neuve. Drari talmumler, l'aivrit fal francis. Blardoisa tous mamat, skuela du yahumdziana. Les semaines, les mois passaient. Le jour où j'en ai surpris un en train de griffonner son nom à la craie sur un mur, à la manière de tous les enfants du monde, il m'a semblé que j'étais vraiment dans la bonne voie. Ça avait l'air de se prêter au jeu nouveau de l'instruction. Le nez ? Le nez ? Les yeux ? Les yeux ? Les oreilles ? Les oreilles. Et première vraie victoire. J'avais réussi à persuader mon ami le meunier de moderniser son installation. Il n'était pas rare de voir des enfants arriver une demi-heure, une heure, quelquefois plus avant l'ouverture de l'école. Je me levais pourtant très tôt, généralement avec le soleil. Tu reviendras quand tes mains seront propres. Allez, les enfants, déshabillez-vous. Allons. Tout le monde, tous les garçons. Allons, vite, dépêchez-vous. Allons, suivez-moi. Thank you.
Au retour, même régime. Mais les jeux, le sport m'avaient occasionné quelques complications. Du temps perdu, ils n'en comprenaient pas l'utilité. Par les enfants, bien sûr. Mais les adultes, dans l'ensemble, ne paraissaient pas me tenir, moi, l'école, en grand prestige. Certains indices me montraient la méfiance dans laquelle ils me tenaient. J'étais continuellement espionné. Un jour, je les ai surpris en train de fouiller dans mon tas d'ordures. Il paraît qu'ils cherchaient les coquilles des œufs en poudre qui m'avaient servi à faire une omelette. Et puis, manifestement, la portée exacte de l'éducation leur échappait. Un père, tout fier pourtant de son fils habillé à l'européenne, l'avait battu aux larmes. Il ne comprenait pas et était visiblement déçu qu'il ne soit pas déjà capable de l'aider dans ses affaires. Asseyez-vous. Amar, David. Présent. Ben Simon, Suzanne. Présent. Cohen, Charles. Son père, il ne veut plus qu'elle aille à l'école. Son père ne veut plus qu'elle aille à l'école et il ira chez le rabbin. Hé, hey, alors, tu n'es pas venu à l'école, pourquoi ça? Dis, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Parle. Il n'y a pas de savon à la maison. C'est trop cher. Ils sont trop pauvres, trop différents de nous. Ils ont un tel retard. Le moindre incident devenait un problème insoluble. Même le meunier se mettait à son tour à m'abandonner. Si près du but, voilà que tout s'écroulait, que tout allait être à recommencer. Brusquement, la chaleur, la solitude, l'éloignement, cette sensation d'exil m'était devenue insupportable. Ça dépassait la limite de mes forces. Je n'en pouvais plus. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Venez vite, mon père, il est mort, c'est scorpion. Guéri. Tiens, c'est pour toi. La poste. Thank you.
Bon, maintenant, allez vous coucher. Allez. Tu vois, nos mains sont propres. Fais-nous l'école à nous aussi, le soir quand nous rentrons du travail. Nous aussi, nous voulons devenir des hommes. J'avais enfin gagné. واشين اخواني غدروا في مره قالوا يا يوسف عزم جيب الخبر خوتك ما راح وسيبايتين في بره سيدي قال هذا ما قدرت يا الزبار ما نخسر خاطر بويا حتى بنضره سر يوسف تمسى في خلا والقيفان حتى لقاه ملك مثله في تسارى قال له يا يوسف وعلاش كتدور كان خوتك أجي نعطيك الإمارة ديرت كالك عند الله شير صرف حكمه وقده مقبول ما يعطيك الله مولانا رحمن يا سيدنا يا رحمن سبحان العالي في شماه كيضرب ويداوي بدواه سير عبد ربك لا تنساه زيد له في السكران يا سيدنا زيد له في السكران مالو راقي سقط من ليعه الفراق مال طيار يسكت من بعد الغاق مال بحور نسفت بموج الحراق مال مطار يسحت من غيام سماها وشبابي من هويت من حوسين ابهام حين مسا يوسف تما وشق الاخبار الواحد من خوتو جاي تزارى ساري الدم من خوتو كبار وصغار مقدا فيهم الارغب والاحزار قال لهم يا خوتي واسع عملت منار هاد الفعل ما يعملوش حتى كفارة ذبحوا عتروج من المعيز كان مختار مرمغو في الدراعة ورجعت حمراء حين فسخوا هلو مابا كل واحد ضربوا ضربة قال الفضيحة مكتوبة صرفة مع الإخوان صرفة مع الإخوان قام نفتالي بالزربة قال نعبي هلو دابا سيبناها في واحد الغابة مصيبة شوفو كان يا سيدنا مصيبة شوفو كان
وشاف زين البصار يوم لاحوا في برخاوي بالعمارة لحنوش والعقارب فيه دم تحكار حتى دبالت وجهه ورجعت صفراء واحد القفلة دل عرض غادي الماسار.